Bonjour, je m'appelle Laurent Bussière, j'ai 43 ans déjà et je suis en binôme avec Pépita Car pour la mairie du 11e arrondissement pour Décidons Paris et je suis écologiste. Alors écologiste, quand on a dit ça, en fait, on n'a pas tout dit, il faut préciser. Alors moi, je suis de l'écologie sociale, c'est-à-dire que je pense qu'on ne peut pas faire d'écologie si elle n'est pas populaire, si elle ne s'adresse pas même d'abord aux classes populaires, notamment à Paris où il y a évidemment un manque d'espace vert pour tout le monde, mais particulièrement pour elles. Et puis, je pense qu'on n'arrivera pas à relever le défi climatique si on n'arrive pas à embarquer tout le monde, mais pas en se disant qu'on est tous dans le même bateau, parce qu'en réalité, c'est comme le Titanic, quoi. Il y en a qui sont en première classe, il y en a qui sont déjà sur les canaux de sauvetage, et puis il y a les classes populaires qui prennent cher, qui sont en première ligne de toutes les pollutions, pollutions atmosphériques, pour les maréchaux par exemple, les quartiers qui sont au bord du périphérique. Alors ça ne concerne pas le 11e arrondissement, mais dans le 11e arrondissement, par exemple, il peut y avoir des problèmes sur de l'exposition au plomb, ça peut être dans les écoles, ça peut être de l'amiante par exemple. Il y a eu un article récemment qui pointait des insuffisances. Donc voilà, ces personnes doivent être d'une certaine manière notre priorité. Et puis, on parle beaucoup de coalition climat à Paris en ce moment, mais ma coalition climat à moi, c'est ici, voilà, c'est la coalition climat des habitants qui se battent pour le terrain d'éducation physique Ménilmontant, qui est maintenant la terre d'écologie populaire. Et voilà, la coalition climat pour moi, c'est pas des écolos qui font des trucs avec des libéraux comme Villani, c'est des gens qui se fédèrent sur un objectif clair qui est justement celui d'une écologie sociale, d'une écologie populaire pour tout le monde, mais d'abord pour les personnes qui en ont le plus besoin. Voilà.